Ah, je suis pas prêt! J'ai pas vu l'heure! C'est la panique! Ah, je suis pas Ah, je prêt! m'entends en tout, J'ai pas vu putain! Mais non, mais j'étais en train de boire mon café, je regardais la carte, et j'ai totalement zappé le début du stream. Hop, hop, voilà, parfait! Non, mais là, je regardais un peu, comme je dis, il y a plein de trucs dans le jeu que j'ai pas encore à peine commencé à toucher. Bon, je suis un peu dans la merde là, parce que j'ai 3000 de thunes, mais j'ai rien au niveau logistique. Je suis vide. Je vais peut-être devoir aller. Enfin, je suis vide, j'ai quand même. J'ai. Ouais, non, ça va, j'avais pas vu, mais j'ai encore des batteries et tout, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, en fait. J'avais pas vu que j'avais mes caisses remplies. Oh, Monsieur Valture! Tu régales! 6 mois! Merci, mec! Hop! On va ralentir. Je vais essayer d'aller me docker. Voilà, je vais monter à la verticale. Enfin, est-ce que verticale dans l'espace, tout est relatif dans l'espace? Je vais essayer de venir me mettre à Starbreak Supply. Et regardez ça, regardez-moi cette manœuvre. Non, attendez, il y a quelqu'un là. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de venir me mettre comme ça. Hop. Une fois que vous abandonnez ce concept de verticalité dans l'espace, hop. Hop, 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 je suis là! Laisse-moi passer! Eh ouais, premier arrivé, premier servi. Eh, je suis là, avant toi, casse-toi! Voilà. On va aller sur le radar. Voilà. Marche arrière. Et on va aller acheter quelques batteries supplémentaires. Là, je chill aujourd'hui, hein. Enfin, je chill tout le temps sur ce jeu, hein. C'est un jeu giga chill, hein. J'ai pas le choix parce que cet après-midi, je vais devoir me regarder les anneaux de pouvoir. Mon spectacle de marionnettes est terminé, quasiment. Et bah, j'ai pas le choix. Je vais pas y couper. Oh, je suis un peu trop de biais, j'en ai peur. Je suis trop de biais. Non! C'est bon. Ouais, je dois regarder l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. Je suis malheureux, rien que d'y penser. Ouais. Bon, il y a de la batterie. Ouh! Il y a plein de batteries, regardez ça! Bon, déjà, je vais me débarrasser des vieilles batteries. Hop! Et on va acheter ça, ça. Oh, il y a des belles batteries là. Allez, je les prends. J'achète tout! Et un filtre. Ah ouais, les filtres coûtent une blinde. On va pas se payer le filtre. Voilà! Oh là 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 là! Alors là, je viens d'investir, les gars, comme jamais, hein. Que du régal, hein. Je vais aller chercher mes équipements que j'ai achetés. Pick-up. Voilà! On va aller prendre toutes les batteries. Benito! Ce pseudo, tu me vends du rêve à chaque fois. Voilà, les batteries. J'ai. Eh ben en fait, je suis pas mal au niveau batterie maintenant. Un jeu à boire. Il y a moyen de faire un jeu à boire. C'est un jeu très répétitif, mais. Bah, routier, le métier de routier, c'est aussi un métier répétitif. Tu recommences les mêmes choses. Là, c'est la même chose. C'est pour chill. Voilà. Eh, pas mal! On a chargé la mule, on va pouvoir aller chercher du boulot. Au niveau des batteries, on est pas mal. Hop là. Donc là, je suis à 3 Kings. Donc j'ai encore pas mal de secteurs qui sont bloqués parce que j'ai pas encore les skills pour y aller. Et là, il y a un secteur en bas, Dependency Loop. Visiblement, ça a l'air d'être un hub pirate peut-être. Qui est que dans un sens. Je suis incapable de dire à quoi ça sert. Je connais pas. Donc ouais, on verra bien. Je vais aller chercher du boulot à Three Kings. Il y a un hall à proximité. C'est parti. Attendez, il faudrait que j'active. Je vais activer la radio. Normalement, je crois que les musiques sont peut-être libres de droit. J'espère.
Par contre, ça m'emmerde. Display, non. Comment je fais pour... Attendez. Tant pis, on va faire ça après. Est-ce qu'on peut allumer la radio ici? Non, je ne sais pas comment on allume la radio. Devoir déjà la saison 1. Écoute, si j'ai pu t'épargner ça, alors je suis content. Je voudrais bien changer de cam. Où est la cam normale? Ah putain, quel enfer! J'ai changé de cam par accident. Et je ne sais pas comment on fait pour retrouver la cam normale. La saison 2 est pire. La saison 2 est horrible. En fait, c'est juste de la merde. C'est juste de la merde. C'est une fanfiction qui essaie de faire quelque chose mais qui n'y arrive lamentablement pas. Et qui en plus est bourrée de messages politiques qui n'ont rien à voir avec Tolkien. Voilà. C'est fait pour une audience moderne qui ne sait pas qui est Tolkien. C'est pas fait pour moi. Ça plaira à des consommateurs. C'est très insultant hein, quand je dis consommateur. Voilà, regardez ça. Voilà. Allez hop. On pivote. On va aller chercher le sas. Voilà. Comme ça. Parfait, marche arrière. Bah alors? Hop là! On va aller trouver du boulot! Et je vais essayer de trouver les caméras aussi. Parce que là. Ah! Alors, quel type de. Non, attendez, je vais pas aller prendre tout de suite, mais j'ai quand même besoin de faire de l'argent. Combien ça paye? 2000, 2000. Oh, c'est vraiment pas brillant, hein. Des algues? Avant, ouais, bon bah écoutez, on va faire ça. Regardez-moi ces rochers! Ah, ça c'est expire 1h19 minutes. Ouais, on va peut-être. Quitte à pas être payé beaucoup, autant prendre un truc qui finit un peu plus tard. 2000, accepté. Voilà. On va faire ça comme ça. Parfait. Alors, le boulot. Je vais aller chercher mon... là-bas. Où est... Ok, hop. Je vais aller chercher ma cargaison. C'est parti, pleine balle. Alors attendez. Comment je vais sauver le jeu. Voilà. Save. Je me barre. Exit to main menu. Et je vais aller voir comment on allume la radio. Et comment je change de caméra. Où sont les contrôles de ce foutu jeu? Ah mais on n'a pas accès au contrôle. Il faut. On n'a pas accès au contrôle, c'est une blague? Ah non, 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 on n'a pas accès au contrôle. Il faut tester au hasard. Oh, c'est terrible ça. Oh, bah c'est pas grave. Bah c'est pas grave. Alors le 18, le 18 à midi 9, c'est ça. On y retourne. On va tester au hasard. On va finir par l'activer cette merde. Le cargo est là-bas. Oh, ça y est, là déjà. J'ai retrouvé ça. Comment est-ce que j'active la radio? Normalement, il y a du son, hein, mais je sais pas où c'est. Ah, mais je sais! Attendez! Est-ce qu'on n'aurait pas là driving? Est-ce qu'on n'aurait pas plus d'infos? Jump gate, non. EVA, non. Radio! Non. 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 Non, c'est pas ça. Caravan Rail, Upgrade Shop, non, 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 Traders, EVA, non, non, visiblement, je ne sais pas comment avoir du son, c'est gênant.
Bon, on va aller chercher ma cargaison, on va aller faire la mission. Attention, on va vite, il n'y a pas de débris visiblement. Voilà mon cargo. Voilà mon cargo, magnifique. On va faire attention à lui là. On va venir s'aligner comme ça là. Voilà. Oh, regardez, magnifique. Magnifique. Comme ça, hop. Je commence à être bon avec cette merde, hein. C'est juste un coup de main à prendre, comme tous les jeux. Faut accepter d'y mettre un peu de temps. J'ai vu des gens qui critiquaient le jeu sur Steam. J'étais là, ah, mais ouais, mais les mecs, vous êtes arrivés, vous avez fait de la merde. Vous n'avez pas accepté de jouer un peu et d'apprendre. Et parce que il faut accepter d'y mettre un peu de temps. Vous avez les gens, ils chouinent. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est pas trop dur. Mais ouais, faut accepter d'y mettre un peu de temps. C'est comme tous les jeux. La facilité aujourd'hui, si vous n'avez pas tout cuit dans le bec, les mecs ils gueulent quoi. Ils viennent gueuler sur Steam. Oh, mais le jeu est trop dur. Non, le jeu est pas trop dur. Voilà! Direction Onyx. Le système Onyx. Onyx, c'est où Onyx? Onyx, Onyx. Mais je le connais même pas le système Onyx. Médusa. Tankton. Merde alors. Loupe. Système Onyx. Je connais pas le système Onyx. On a un problème. J'ai pris un contrat que je peux pas honorer. Tout à gauche. Ah putain, bien vu! Mais je suis trop con! Oh là, heureusement que j'ai un chat. Hein. Oh là 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 là, heureusement que j'ai un chat. Hein. Merci Yann Secon. Je suis un âne batté, hein. Sous mon nez, hein. Je suis un âne batté, hein. Bon, attendez. Ah, la musique est allumée, parfait. Bah merde alors, où est Non mais, je fais des conneries. Il faut que j'aille d'abord à Atlas Prime. Faut que j'aille à Atlas Prime. Pas le. Je suis pas doué ou quoi? Atlas Prime, c'est derrière. Ok. Une vibe Cowboy Bebop complètement. En fait, c'est un mélange de plusieurs. Oh putain. C'est un mélange de plusieurs trucs. T'as des vibes de freelancer. Euro Truck Simulator, sans aucun doute, pour le gameplay. Mais l'espace te permet plus de fantaisie qu'un Euro Truck Simulator. Et clairement, un Cowboy Bebop. Rien que là, la musique, c'est totalement Cowboy Bebop, quoi. Moi, j'adore. Hein. Je suis amoureux, hein, c'est un coup de cœur le jeu. Bon, après, c'est pour chill, hein. Mais chill, mais c'est pas facile, hein! Oh là là, j'ai mon corps là qui est en train de descendre. On va aller. Je pense que ça va tenir la fin de la livraison. Oh, le débris! Ouf! Oh, les débris au secours, hein. C'est vraiment mal famé, hein. Regardez-moi ça s'il est pas beau mon camion. Allez, on monte pleine balle. Voilà. On s'aligne. Oh là là, j'avais vu qu'ils avaient fait une série Cowboy Bebop sur Netflix, mais il faut qu'ils arrêtent avec leur série d'animé, hein, c'est catastrophique. Hein. Le plus gros stream sur ce jeu, bah
y a pas beaucoup de gens pour jouer à ça, tu vois. Des gens qui veulent chill. Moi perso, j'adore, hein. Allez, c'est parti, on active le jump, direction Onyx. Et en plus, vous savez qu'il faut payer la douane à chaque fois, hein, pour utiliser les gates, là, c'est 150$, hein. Ils sont gourmands, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, où est Onyx? Onyx, 7 km. Bon, après, je joue souvent à Max Hour, tu sais que je joue souvent à des jeux où il n'y a personne qui joue dessus, tu sais, du Command Ops, même du Medieval 2, hein, on n'est pas beaucoup sur Steam à faire du rétro gaming comme ça. Et quand je joue à des jeux qui sont sortis, je joue généralement à des jeux indés qui sont pas les plus populaires non plus, tu vois. Donc ouais, ça arrive souvent, même la Minute Spatiale, je suis souvent le plus gros streamer sur Steam, sur Twitch, en technologie et science. Ce qui est assez étonnant quand tu penses, mais les gens ils viennent pas sur Twitch pour voir du spatial, tu vois. Ou de l'actu du spatial. Bon là, New Liberty, on va utiliser l'autoroute. Là, normalement, il n'y a pas de débris, on est tranquille, on va pouvoir foncer. La speed limit est à 150, hein, ici, hein, donc on peut envoyer la sauce. Hein. Il n'y a pas de débris ici, et ça c'est cool. Allez, pépé la Formule 1. C'est comme ça que tu glades des nouveaux viewers. Ouais, ouais, faut. Bah, en fait, faut faire ce que t'aimes, mais aussi bah, être un peu original. Et c'est vrai que bah, moi, ça me fait chier de jouer à des jeux mainstream, en fait, assez récents. Je m'amuse bien avec ce que je fais. Et il y a assez de streamers qui font du contenu un peu plus mainstream. Oh, je suis à 140 miles par heure. C'est limité à 150, on va éviter de jouer au con, hein. Oula, 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 doucement, 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 doucement. C'est une vraie savonnette, hein, ce vaisseau. Bah, c'est un vaisseau, techniquement, hein. Ce camion. Voilà. New Liberty, et nous, on veut aller à Onyx, là-haut. C'est parti. Direction Onyx. Automated warranty alert. Your mileage threshold has been reached and your warranty has now expired. T'es sérieux là? You are no longer eligible for free recovery and repairs. Ok. Je savais même pas que j'avais ça. Si j'avais su que j'avais une assurance. Oula, il y a des débris. Il y a beaucoup de débris. Il y a beaucoup de débris. Onyx. Oh, il a fait un demi-tour, lui. Balèze. Oh, le débris, là. Oui, aïe, aïe. Magnifique. Magnifique. Salut Dorky. Matez un peu le merdier. Je commence à être court sur mon corps A. Mais on a de la batterie en réserve. Allez, on prend la gate. C'est parti, direction le système Onyx. Je crois pas que je me rappelle d'Onyx. Ah, je crois que c'était mon premier système. C'est là où j'avais pop Onyx. Ouais, je crois que c'est là où j'avais pop. Station Onyx. Bon, où je dois aller poser ma cargaison? Drop zone là-bas. C'est parti. Voilà. Allez, on va aller plein de balles. On va mater ça. Eh, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est facile de faire des beaux jeux avec des moteurs. Oula, oula, oula. J'arrive un peu vite, là. J'arrive un peu vite là. Ça superbe, moi.
Là, il y a des débris, il y a des débris. Vous avez un petit truc. Vous avez un message d'alerte de débris. Là, quand il est rouge, ça veut dire que c'est proche. Faut être prudent. Oh, putain. Et comme il fait super jour là dans ma piole, dans mon appart, il fait beau. J'ai du mal à voir les débris. Ah, la direction artistique, bien sûr. Oh là, attendez, là je suis pas du tout bien placé. Comment est-ce que je peux... Ok, on va faire le tour. On va faire le tour. On va prendre un peu d'altitude. Je sais que de discuter avec les devs juste pour connaître leurs sources d'inspiration, mais je suis quasiment sûr à 100% que... On a dû jouer aux mêmes choses. Allez, on tourne. Voilà. Oh là là, j'ai un corps qui est quasiment vide. On va faire la mission et on va changer. Battez-moi ça, c'est propre comme approche quand même. On perd plus de temps, on se loupe pas, on fait plus de collisions. Et là, regardez ça. Hop là! Allez! Magnifique! Mission accomplie! Wouh! Propre! Careful driving! On a bien conduit! Et on a même livré plus tôt que prévu! Ça nous fait des bonus! Confirmé! Parfait! Je vais en profiter pour immédiatement changer mon corps. Parce que là, j'ai un petit problème. Core système. Non! J'ai fait un petit clic. C'est pas grave. Voilà. Et pour le corps, on va mettre une nouvelle batterie. C'est parti. Voilà. Normalement, on est tranquille pour un bout de temps. On va fermer tout ça. Voilà. Ah. Alors, est-ce que y avait de... Y a quoi ici? Je suis à Onyx. Onyx, on pourrait trouver du boulot à Onyx. On pourrait trouver du boulot à Onyx. Oulala, 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 doucement, 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 doucement. Il y a du trafic ici, hein. C'est mal famé, hein. Ah, shop là-bas, à 3 km. Et où est le... Où sont les emplois? Peut-être là-bas. On va faire attention, il y avait pas mal de débris ici. Station Onyx. Ouais, c'est souvent la station Onyx qui a tout. On va aller à Onyx Station. On va prendre l'autre. On va s'incruster sur l'autoroute. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de débris. Parfait. Oh, j'ai eu peur! Y'a de ces codes! Merci pour ton sub, mec! Bienvenue à toi! Fou que tu es! Parfait. C'était ici qu'il y avait le... Normalement, j'ai de l'argent dans les caisses aussi. Hein. J'ai 3400 de thunes. On va aller chercher du boulot. Voilà, job board, c'est parfait. Alors, c'est pas de ce côté-là. On va passer dessous. Hop là! En vacances, retour au travail. Ah bah ouais, la France elle va pas se réarmer économiquement en glandant devant mon stream. Il est temps d'aller bosser.
C'est moi qui dis ça. Le roi de la glande. Hein. Attendez, je regarde comment il est, le drop board. On vous dit, le haut et le bas, c'est comme avec Caradoc et le nord et le sud dans l'espace, vous voyez? Regardez ce qu'on va faire. Comme ça. Hop. Comme ça. Le jeu est génial. Le jeu est absolument génial. C'est tellement chouette de voir ce genre de jeu, ce genre de direction artistique. On est vraiment dans un âge d'or en ce moment. On est dans un âge d'or du jeu indé. Et c'est absolument incroyable. Les jeux qu'on a. Je vomis tellement l'industrie du jeu vidéo et ce qu'elle est devenue en termes de contenu, de prix, que quand vous avez ce genre de jeu, c'est un retour aux sources. Ça, c'est des plaisirs coupables de ma jeunesse. Mais le jeu est giga chill et en fait, il y a un ras-le-bol. En fait, les triple A n'arrivent plus à donner ce genre de sensation simple de jouer pour s'amuser sans trop de prise de tête, sans trop de monétisation abusive. Juste un jeu terminé. Ce qu'on a toujours demandé aux jeux vidéo d'ailleurs, à la base. D'être terminé, de pas être trop cher, de nous divertir, sans des messages politiques à la con et tout ça. Bah, eux, ils le font très bien. Super jeu. Hein. Alors, il y a du taf. Il y a du taf. Oh, ça expire dans 30 minutes. Oh, c'est de la merde, regardez ça. C'est absolument pas intéressant, financièrement parlant. On va se barrer d'Onyx. Hein. Pas, c'est pas, pas intéressant. C'est pas intéressant. Et on va aller peut-être acheter. Il y avait le hall. Ah non, c'est juste à côté, attendez. Hop, 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 demi-tour. Comme ça. Voilà. Oh, le. Voilà. On va aller faire les courses. J'ai un peu d'argent. On va aller le dépenser. Je commence à avoir le coup de main, c'est confortable quand vous commencez à comprendre le jeu. Quand vous vous battez plus avec les commandes, que tout s'aligne parfaitement. Regardez comme ça, hop. Voilà, tac. Non, tac. Voilà, marche arrière, c'est parti. J'ai aidé à. Ah, Darkest Tower. On va essayer de se refaire une petite game avec la Vipère et Youngstar, une petite game chill. Alors, on en a fait des bêtises. On en a fait des bêtises sur Darkest Tower. J'ai débuté ma chaîne avec Heart of Iron 2. Hein. Non, Empire, mais. Ah ouais, c'est des jeux qu'on a poncés, quoi. Allez hop, on va aller voir s'il y a des choses en stock à Onyx. Je voudrais bien quelques batteries éventuellement. Toujours acheter de l'équipement. Il y a des batteries. Et des grosses batteries aussi. On va se mettre bien, hein. On va se mettre bien, on va acheter ça. Hop, hop. 1440, parfait. Et non, je peux pas investir dans. Oh, ils sont à 5000, c'est une blague! Ah non, il n'y a pas de filtre à air. Non, ils n'ont pas de filtre ici. C'est pas grave. Hop là. Merde, mes stocks sont pleins. Ça, c'est la cata, ça. Le souci, c'est que j'ai trop de batterie maintenant. Ah non, j'ai de la place. J'ai de la place, j'ai de la place. On va même pouvoir changer des trucs en vitesse. Vu que je suis large, on va se faire plaisir. Hop. Voilà, et éventuellement, là j'ai. Voilà, on va faire ça. On va se mettre bien. Lui est quasiment vide, 25. On va le dégager. Allez, casse-toi. Et on va en mettre un nouveau. Comme ça, mes deux boîtes seront pleines. Parfait. Voilà. Parfait! Allez, on va se barrer d'Onyx. Le trade est vraiment pas intéressant.
Allez, on s'arrache de là. Direction Atlas Prime. Après, j'ai rendez-vous potentiellement à Tainton. On pourrait mettre un marqueur pour aller à Tainton. Ou alors, on va faire quelques missions à Atlas Prime. On va aller à Atlas Prime et on va faire un peu d'argent à Atlas Prime. La gate de Atlas est là-bas. C'est parti. Et là, on est pas mal, hein, au niveau. Les deux corps sont pleins. Va falloir que je me prépare à changer potentiellement le magnète. Donc, c'est mes deux RCS. Mes deux RCS qui sont à 40% de jus. Mais je peux les changer. Mais on va attendre un peu. On va pas tout changer tout de suite, hein. Ça coûte une blinde, ces foutues batteries quand même. Bon, direction Atlas Prime. Oulala, j'aurais peut-être dû prendre l'autoroute. Attendez. J'arrive là un peu de façon agressive. De façon subrogative. Turtle Warrior. Est-ce que ça a un rapport avec les tortues ninja? Je demande Turtle Warrior. C'est ma génération, alors je me dis peut-être que. 83, date de naissance. Ça correspondrait, hein, moi je suis de 84. Ou alors c'est un énorme hasard. Oh putain, il y a une double autre! En même temps, je suis un peu au milieu de ta voie. Hein. Ok, direction Atlas Prime, la gate est là-bas. Je me demande ce qui se passe quand on peut pas payer la gate. Est-ce qu'on nous met en négatif? Attends, je vais te doubler, toi. Je vais te doubler, hein. Rien à foutre, hein. Low fuel, merde! J'ai oublié le fuel! Oh! Ok, je suis sur la réserve. Je vais aller à Atlas Prime faire le plein. Et merde, j'ai laissé passer mon spar. Je vais aller à Atlas Prime faire le plein. Je crois pas qu'il y avait d'essence ici. Oh là, je suis sur la batterie. Je suis sur la batterie. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait là? Oh l'échec. Oh le colossal échec, j'avais pas vu. Hein. Je vais aller à Atlas Prime. Attendez, je regarde en vitesse. Atlas Prime. Il y a des pompes. Il y a des pompes à Atlas Prime. On espère que je vais y arriver. Vraiment, ouais. Allez, direction Atlas Prime, je vais aller faire le plein d'essence. J'espère que j'aurai l'argent pour faire le plein. Ça, c'est encore un autre problème. La station est là-bas. Oh, elle est loin, la station. 6 km. Non, c'est bon, j'ai 17 km de fuel. Ça devrait le faire. Astroco fuel. Attention aux collisions, pépé. Casse-toi, toi! On va rejoindre l'autoroute là-bas. Sur le bas-côté et je vais faire une EVA. Quel enfer! Mais non, accélère pas! Quel enfer au pire moment! Quel con! J'ai l'impression d'avoir pété ma bagnole et je suis furieux, vous savez. Ce qui est totalement ça. Bon, j'ai tout. Oh ouais, oh là là, les dégâts. Ok. Ok, les dégâts sont là. Hull Breach. On va se dépêcher d'aller réparer ça. Sur les vidéos de DH, on pourrait plus faire ça aujourd'hui sur YouTube ou Twitch.
Oula, oula, oula. Oh, Pépé, arrête, 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 arrête. T'es en panique là, voilà. Ok, on a minimisé la casse. On a réparé tout ça à cause d'un débris que j'ai pas vu. Le débris, je l'ai vu trop tard. Ok, l'essence. On y retourne. Let's go. On va s'incruster sur l'autoroute. Personne à... Allez hop, personne à droite, à gauche, on y va. C'est parti. Direction Astroco Fuel. Ça nous rajeunit pas tout ça, les gars. Vous commencez à causer comme des boomers, attention, hein. Ok, le fioul est pas loin. J'étais déjà un boomer dans l'âme, putain. Inquiète-toi quand même, hein. Personne à droite, on va aller faire le plein. Voilà les stations. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Voilà, station d'essence, c'est parti. Allez. Allez, on remplit le réservoir. Oh, ça coûte cher. Oh, ça coûte cher. Ça remonte à loin. Puis que toi, y a un mec qui m'en a parlé encore, qui m'a envoyé. Il y a encore des mecs qui commandent sur ce genre de vidéo. Oh là là, 1400 dollars le plein, mais au secours. Qu'est-ce que ça coûte cher? Au niveau thune, ça doit pas être brillant. Hein. Ok, je suis fauché. Hein. Je suis officiellement fauché. On va aller. On va descendre pleine balle et on va aller chercher à la station. On va retourner à la station. Il y a des offres. Il y a des offres, je pense, à. Hop là. Une fois que vous commencez à comprendre la physique et la dynamique du jeu, tout devient plus simple. On va aller à Palm View Station. Tree Kings, je crois que je suis jamais allé à Tree Kings. Qu'est-ce qu'il y a à Tree Kings? Ouais, il y a du matos, c'est tout, hein. On va voir. On va d'abord aller à Palm View Station, faire un peu de remplir les caisses, parce que je n'ai plus d'argent. Je suis fauché, je viens d'avoir un accident. On va aller trouver des offres d'emploi. Il n'y a qu'à traverser la rue, comme ils disent, comme dit Manu. Voilà. Regardez-moi ça.
Où tu vas toi? Où tu vas toi? Wow, 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 laissez-moi. Moi d'abord. Oula, je me suis pas forcément bien aligné là. Je sais pas si ça va suffire, on va voir. On va essayer de partir plus. Allez, on descend. On va descendre un peu plus. On va descendre un peu plus. Et on va se réaligner brutalement. Hop. Voilà. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a de l'emploi ici? Est-ce qu'il y a du boulot pour moi? Et il faut que je sois bien payé aussi, quoi. Si c'est pour avoir de la merde. Available. Ouais, ouais, ouais. 2000, 2000, c'est un peu de la merde quand même. Hein. 5 heures. On va prendre ça. Hein. 2000. Ouais, c'est pas brillant. Hein. Accepté. C'est parti. C'est parti. On prend les offres d'emploi. Non, pourquoi je... Anne Batté. Oh, mes caisses, ah, mes caisses ont volé avec l'accident. Alors, cargo, le cargo est là-bas, 7 km. Alors toi, tu m'emmerdes là. J'ai du boulot à aller faire là, dégage. Il y a un champ de débris entre. Quoi que j'aurais peut-être pu prendre, vu que le cargo est là-bas, on va prendre l'autoroute. Prendre l'autoroute. Personne à gauche, personne à droite, on est bon. C'est parti. Glap, c'est pas mal busy, mais peut-être qu'un jour elle sera moins. Et on pourra se refaire quelques games de temps en temps. Allez, pas de débris. Regardez le champ de débris qu'on évite. Faut vraiment essayer d'utiliser les autoroutes au maximum. Voilà, on va aller chercher le cargo. Allez, accélère toi là. Eh, on est à 140 miles, hein. Ça fonce, hein. Qu'est-ce que je m'éclate? Oula, hey, je le dépasse par en dessous lui, hein. Je le dépasse par en dessous. Allez, ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Hop. Alors! Ok, on va respecter. Attends, hein, 5 km. Ah, mon cargo est là-haut. Est-ce qu'il est mon cargo? Ah, il est peut-être de l'autre côté. Ah non, mon cargo est là. Il y a des débris. Ok, il y a des baies de chargement de l'autre côté. Ah, il y a des emplois ici aussi, intéressant. Bon à savoir. Ok, on va commencer à s'aligner. On va aller choper le convoi, le colis. Ouais, pour les fans de Euro Truck Simulator et qui aiment l'espace, c'est vrai que Euro Truck Simulator est assez linéaire. Vous êtes limité par les routes. Là, il y a un côté spatial qui rend le jeu génial. Allez, on ralentit, pleine balle. On s'aligne correctement. Voilà. Et on va pouvoir...
Magnifique. Magnifique. C'est parti. Direction Emerald Junction. Emerald Junction qui est... Ouah, faut que j'aille à Medusa 6 d'abord. Ou à Purity. Alors... Où est-ce que c'est... Medusa 6. Au pire, on va aller là-haut. 7 km Medusa 6. Et où est la gate pour Purity? Purity est à 7 km. Bah ouais, il n'y a pas de direct pour Emerald Junction. On va devoir passer par Purity ou Medusa 6, ouais. On va aller chercher la gate de Purity. Et on va prendre l'autoroute qui est ici. Enfin, non, il n'y a même pas d'autoroute pour assister l'autoroute. Eh, hey, Harmony! Normalement, en passant comme ça, je peux rejoindre directement la gate. Ouais, j'essaie de passer par les... j'essaie de passer par les autoroutes pour éviter les champs de débris. Hein. C'est quand même vachement pratique, mine de rien. Allez, c'est parti. Pleine balle, 140 miles par heure. Je fais la course. Ok, je vais passer par... Hop. Et moi... Moi, c'est la ligne 15 qui m'intéresse pour rejoindre Purity. Purity qui est là-bas, à 5 km. Il n'y a pas l'air d'avoir de débris. On va passer dans la station comme une balle. Oh, ouais, c'est beau. Hein. Voilà, pleine baballe. Et après, on va peut-être faire attention. Il y a peut-être... 3 km, il y a du débris. Il y a du débris, je vais ralentir. Il y a des débris pour rejoindre la gate. Je vais éviter d'endommager le chargement maintenant. Là, on a des gros débris. Wow, 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 il y a... 3 km. Faut que je grimpe. Ok. La gate est là-haut. Où il y a des débris. Je vais trop vite. Et les alertes de débris ne s'allument même pas. Grimper, pleine balle. Il y a un camion là-haut. On va lui laisser la priorité. S'il prend la même gate. Quoique non. Quoique non. La priorité, c'est moi. Ah non, il y va. Je vais le laisser passer. Ah, vas-y, camarade aussi. On a tous du boulot là. Pas le temps de lambiner. Oxygène qui s'est cassé la gueule, j'aurai le temps, je l'espère, d'aller. Ah, si j'avais pas eu mon petit incident de collision avec le débris, on aurait fait une belle session. Non, 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 Nox, ralentis. J'ai fait de la merde. Alors.
Allez hop. Et maintenant direction Elmerad, Elmerad Junction, pour déposer le colis. À 5,9 km, on va y aller plein de balles. 5,7 km, c'est parti. Oh, regardez ça. Moi j'adore. Les infrastructures là. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Oula, 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 oula. Doucement, 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 doucement. Attendez, on va aller voir un petit peu. Là, je suis à. Ah oui, il faut que j'aille à Purity. Ah, à Purity, on peut aussi trouver du boulot et tout. On ira chercher du boulot après à Emerald Junction. On va prendre l'autoroute. Ouais, ça va. Donc, ça ne sonne pas. Doucement, quoi. Il y a du trafic ici, hein. Les gens ont l'air vénères, hein. Savonnette, hein. On se fout du camion là. La température, ah merde! À quoi c'est dû ça? Mais quelque chose que ah merde, il fait trop froid. Hot. Oh, j'avais pas vu que. C'est la première fois que j'ai ça. La température. Aïe aïe, faut vite que j'arrive à Emerald. Il fait moins 6 degrés dans la cabine. C'est la première fois que je tombe sur un. J'ai ça. Ah mais tiens bon. Moins 9, il fait de plus en plus froid. Meurs pas mon gars, meurs pas. Oh le camion. Je te grille la priorité. Je suis en train de mourir de froid. Allez, je dégage. Il faisait moins 17 dans la cabine. Welcome to Emerald Junction. Salut. This is an automated inspection checkpoint. Please be patient while we check for compliance with local regulations. Moins 13. Ok, la température est en train de remonter. Je vais essayer d'éviter de repasser par Purity, hein. Parce que on se légèle à Purity, hein. Have a great day. Ok, la température remonte vite. Oh, j'avais pas l'équipement pour ça. Hein. Moins 10, ok, ça remonte bien. Ah, la drop zone est juste là. La drop zone est juste là. Voilà, on va venir s'aligner tranquillement. Et ce sera tout pour aujourd'hui, hein. Voilà. Après, il faut que j'aille faire ma review des anneaux de pouvoir, malheureusement. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux. De couper le chauffage. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai un problème d'oxygène. Qu'est-ce que c'est que cette... Regardez comme ça. Oh, pour ressortir, ça va être coton. Hein. Alors, voilà, par ici l'argent, et on prend un skill.
Pas mal! Écoutez, on va se dés... On va... Hop! Non! Et là, on va faire attention de pas se prendre l'astéroïde. Voilà. Et on va retourner... On va aller voir à Emerald Junction. Où est-ce qu'il y a tout le bordel pour... Où est la station principale? Là-bas, Goodman Tower. Ok, on va aller là-bas. J'en suis où au niveau... Ouais, l'oxygène, c'est pas bon. On va aller changer tout ça. La température, on est revenu à la normale. Faudra faire attention à ça. C'est la première fois que j'avais rencontré ce cas de figure. Oula, il y a du débris. On va être prudent. Wow, les nuages de débris, là. C'est vraiment mal famé, hein. Warning, je sais, je sais, je sais. Wop! Pouf! Il pourrait faire le ménage, quand même, avec les débris, hein. C'est un bordel pas possible, hein. Voilà, fuel pump, fuel pump. Nous, on va aller voir le Starbreak Supply et on va pouvoir en profiter pour faire de la maintenance. Voilà, on va continuer à prendre un peu d'altitude. Parfait, voilà. Parfait. Allez, on va s'amarrer à la station, tranquille. Mes vieilles batteries vides et on va acheter des batteries neuves. Est-ce qu'il n'y aurait pas des filtres à air? Il n'y a pas de filtre à air. Voilà, on va acheter deux batteries et on va pouvoir faire de la maintenance. On va pouvoir faire de la maintenance. L'oxygène, c'est catastrophique. L'oxygène, c'est la cata. Normalement, l'oxygène, c'est là-haut. Voilà. Ah non, ça, c'est le. Ah ouais, zéro l'UCC. Ah ouais, il est cuit. Et là, l'oxygène est vide aussi. Bon. Et non, le problème, c'est que si je l'enlève, je vais mettre la combi dans le doute. Voilà. Voilà. Parfait, l'oxygène, c'est bon. Et là, je peux reposer la combi. Je vais enlever... je vais aller chercher un fusible neuf. Oh là là, j'ai fait de la merde ici. Heureusement que tout était... voilà. On va chercher un fusible tout neuf. Eh, la maintenance, les gars. À ne pas négliger, hein. Oh, je l'ai abîmé. Non, fragile. Bah ouais, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Ok. Bah ouais, faut pas le laisser tomber comme j'ai fait. C'est infernal. Au secours. Ouais, c'est de ma faute, hein. Faute. Voilà. Et ici, je vais pick up. Hop. Open.
Et éventuellement, j'ai trop de batterie. On pourrait, il y a aussi la combi. Je vais pouvoir commencer à changer les maglocks. On a de la marge au niveau des batteries. Pas mal de marge. On va faire ça. Voilà. Je vais aller chercher la batterie. Toi, t'es vide, mais toi, t'es neuf. Voilà. Ce sera fait comme ça. Vaut mieux être large. Ouais, si, allez, on va faire des folies. On ira le vendre après tout ça, de toute façon. Voilà, j'ai plein de batteries de rechange. On va mettre une batterie à 100. Voilà. Gros tour de maintenance du merdier. La combinaison, on peut la laisser comme elle est. Toi, je vais te descendre. Il me faudrait une autre caisse pour pouvoir mettre tous mes trucs vides en fait. Voilà. Allez, on range. Parfait. Attendez, il faut que je banne le bot là. Il faut que je banne le bot. Hop. Ban. Hop. Voilà. Parfait. Écoutez, c'est pas mal pour. Je suis content de la session. On aura de l'argent en caisse, un petit peu en tout cas, de quoi faire avec des urgences. J'ai juste la combinaison, l'énergie de la combinaison à changer. Et on est plutôt bien au niveau des mags, au niveau de. Ouais, la gravité, ça fait la gueule, l'oxygène, c'est bon. On est parfait. Bon, hey, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Fun, hein. J'ai hâte de continuer, hein. Non, mais c'est super chill. C'est tellement chill. Et sinon, ce soir, Gondor, je continuerai le run avec le Gondor. Demain, avec Infi, on fera un petit 1v1 sur Gladius. En soirée, on fera du Age of Empires 2. Je continue. Vendredi, il y a Chouan qui sera là pour continuer à 16h le run avec les contes vampires. Et peut-être du Company of Heroes en soirée si je trouve des gens pour jouer. Et c'est déjà pas mal. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Peut-être à plus tard dans la semaine. Et sinon, passez une bonne semaine. Allez, ciao, ciao, salut.